Bonjour à tous, je suis Evil Angela et je suis de retour avec une nouvelle vidéo de gameplay Unshined Card ETF End. Dans cet épisode, on plonge tête la première dans l'aventure captivante de Hector Alcazar. Et devinez quoi, on va suivre les traces de Sam, le frangin de Nathan Drake, qui se retrouve derrière les barreaux. Notre mission, découvrir comment Sam réussit à s'échapper de cette prison comme Houdini. Préparez-vous à des rebondissements incroyables, des cascades palpitantes. Alors accrochez-vous bien et découvrons ensemble comment Sam se tire de ce mauvais pas. Bon visionnage. Nous on a quoi, hein? Je le prends pas mal. Nous on a de l'ambition. Oh. Mais quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Ouais, eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirate de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avery et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver? Si je sors d'ici un jour? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avery? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était? C'est l'occasion que tu attendais. Señor Alcázar, un gusto verlo. Ce que me dit aquí. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel, tu es prêt à rechercher ta fortune? Oui. Vámonos. Oh, putain de merde. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan. Depuis combien de temps tu prépares ça? Depuis le jour où j'ai mis les pieds dans cet endroit. Garde le rythme, Samuel. Il faut qu'on fasse aussi vite que possible. Bordel de merde. Pedazo de mierda. Bate de la puerta. Nunca saldrás de aquí, Vergio. Bordel. Ces types sont des sadiques. Alors on rend service à l'humanité. Tiens, tu vas en avoir besoin. Allez! Est-ce que tu te souviens comment ça marche? Oui, oui, ça me revient. Abran todas las puertas. Hector! Si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement. À Ganlo. Éloigne pas, ça.
je vois ça. Bon, et maintenant? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, mets-toi à couvert. Quoi? Mais pourquoi? Allez, vite! Est-ce que tout va bien? Ça va. Je suis toujours entier. Las camionetas están en camino.
Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que va faire Samuel Drake maintenant? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit, trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi, retrouver mon frère. Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avery? C'est difficile à dire. Il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais, à peu près, mais... En fait, tu vois, c'est... C'est pas comme si Avery avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même une carte solide. Oh, d'accord. Attends, attends. Non, 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 attends. Non. Hé, hey, doucement. Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord? Il me faut juste un peu de temps. Dame un cuchillo. Tu vois, le problème, c'est que... Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Hector, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets. Ah ! Combien de temps ? 6 mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin. T'as 3 mois. 3 mois, mais c'est impossible ! 3 mois ! La moitié du trésor. Je peux compter sur toi. Dis-le. 3 mois, la moitié du trésor. Bien. Si tu t'enfuis, ou que t'essaies de cacher le trésor, ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurai. Et quand tu t'y attendras le moins, je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Tiens. Allez, lève-toi. La ville la plus proche est à 10 km dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein? Vamos! Et quand je l'aurai trouvé? Je fais quoi? T'en fais pas. Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel! Donc, Alcazar m'a laissé mettre les bouts. Et voilà. Je le sens mal. Non, il faut juste qu'on prenne la piste là où on l'a laissée. Quelle piste? Arrête, y a plus aucune piste. Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter les terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avery ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et... Je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. Raison, celle-ci est toujours intacte. Avery avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama... se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable. Où est-ce qu'elle est? Oh, alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours, au domaine Rossi. Au domaine Rossi? Ah, oh, tu connais. Bah, ouais.
Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invité officiellement. Ah, ouais. Ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça? Non. On va la voler. Oh non. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi? Non, sérieux, non, je tombe plus dans ce genre de combine, c'est tout. Et voilà, c'était l'épisode d'Hector Alcazar dans Uncharted Card Chief End. On a suivi les péripéties de Sam alors qu'il se démenait pour s'évader de cette prison infernale. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo survoltée autant que moi et que vous avez hâte de découvrir la suite de l'aventure. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes d'Uncharted Card A Chief End. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Chérie, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est une surprise, mais... Je crois que je vais finalement accepter ce job.